Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne L'Atelier du Tech. Je vous souhaite une très bonne année 2022 et dans cette vidéo, nous allons voir la restauration de cet Amiga 2000. Alors là, j'ai fini pour à peu près toutes les réparations. Il est en état de fonctionnement, il a encore quelques petits soucis, donc même si vous allez voir, on a restauré l'alimentation, changé le ventilateur, j'ai beau l'avoir nettoyé, il sort toujours une odeur de poussière de l'alimentation. Donc je pense que dans une prochaine vidéo, je changerai complètement l'alimentation, on va voir. Et puis là, il est dans son état d'origine et je pense que je vais le faire évoluer aussi avec un Pistorm dans les jours à venir. Donc voilà, donc la restauration, c'est maintenant. Bon, bah nous voici devant la bête. Un Amiga 2000 que je viens d'acquérir, qui est bien jaune, qui est aussi, on va le voir, mais bien sale. Donc et ben on va le démonter. On va déjà s'occuper ça de l'écran comme d'habitude un peu plus tard. C'est pareil, le clavier on verra un peu plus tard. Je l'ai déjà ouvert parce qu'il a fallu que je retire la pile le plus rapidement possible. Donc bon, il va falloir le nettoyer et puis passer un coup de Retro Bright. Hein. Ouais, quand on voit l'intérieur. Donc voilà, bloc d'alimentation. Et ben ça c'est pareil, hein. On va passer du temps à le nettoyer. Et alors, ce que j'ai fait, je vais vous montrer de plus près. Voilà, j'ai retiré la pile, elle a un peu coulé, pas trop. Donc ça n'a pas fait de dégâts autour, donc là-dessus j'ai eu un peu de chance. Et donc maintenant on va démonter la carte. Bon, je l'avais déjà démonté pour voir les dégâts en dessous. Hop là. Donc même en dessous, ça va. C'est pas trop la cata. Voilà. Et ici, franchement, ça va aussi. Bon, tout ça, on va passer au nettoyage. Bon, on voit que ça a coulé hein, quand même au fond, coulé du bon côté. Et ça s'est pas trop propagé. On continue le démontage. Ok. Bon, là je vais nettoyer tout ça. Allez, on va commencer par un coup d'aspirateur. Allez, c'est parti. On démonte tout ça. Oh là là. Oh. Voilà.
à grincer. Alors, on va essayer de rien casser. Ok. Oh mon Dieu. Je sais pas si on voit. C'est dans un état. Peu de carrosserie à faire. Ouf. Mon Dieu. Passer ça au RetroBrite. On va démonter l'alimentation. D'accord. Eh ben, waouh, jamais été nettoyé quoi, même pas soufflé une fois dans sa vie. Waouh. Ah ouais. Bon, je vais essayer d'envoyer le petit coup de soufflette pour voir ce que ça donne. Et l'alimentation après soufflage, elle a quand même du boulot encore. Allez, c'est parti pour le nettoyage. S'en avait besoin. Allez. On va aller rincer tout ça. À la douche. Il n'y a plus qu'à faire sécher.
Bon. Alors, on va s'occuper de nettoyer ça. Je vais quand même finir par nettoyer les touches parce qu'elles sont dégueulasses. Et ben des vis, toujours des vis, encore des vis. Oh, oh, oh. Ok. Belle PCB à nettoyer. Nettoyage, rétro-brite, remontage. Bon, on verra. Cool. Allez. Cool. Ça fait longtemps que je voulais essayer la souris tank à boule qui fonctionne très bien. Il y a une souris tank qui ne fonctionne plus. Donc on va en profiter. J'ai acheté un petit kit de conversion en laser. Donc ça c'est pour une souris qui ne fonctionne plus, il lui manque un bouton, pas de problème. De toute façon, si ça fonctionne, de toute façon, sans même si ça fonctionne. Comme ça. Comme ça. Comme ça.
ça. Moi, je vais pas le couper parce qu'au cas où qu'on ait besoin un jour de remettre en état. Donc ça, c'était comme ça. Okay. La même position. Une cerise passée en laser. Yes. Ça fonctionne.
cas, ça ne chauffe pas pour l'instant. Cool. Je suis très content. Ça fonctionne parfaitement. Et bien nous y voici, tout a été remonté, on va pouvoir tester ça. Est-ce que ça va fonctionner du premier coup? Et bien super, tout fonctionne, on va tester ça, tester l'audio. Alors. Ça a l'air de fonctionner. Donc ça, ok. Les CIA. Ben, tout est parfait. On va tester clavier parce que vu comment je l'ai remonté. Que toutes les touches fonctionnent correctement, ouais. Ça va, détecter, cool. Bien. Eh ben c'est cool. Tout est ouvert. Ok, contrôle et bon, bah la vidéo ça fonctionne. Hein. On va pas non plus y passer. Pas de problème. Le floppy, on testera plus tard. Ça, ça fonctionne. La souris laser. Cool. Et ben voilà, on va voir si maintenant il va démarrer sur le workbench. Donc on va mettre le workbench. Alors où est-ce qu'il se trouve? On redémarre ça. Et ben voilà, ça démarre sur le workbench. Cool. La souris fonctionne toujours. Il arrête de faire du bruit. Bon, et ben voilà, c'est un Amiga 2000 refonctionne correctement.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.